Hello les amis, c'est Danico, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Farm Together. Donc les amis, regardez bien en bas, il va s'afficher quelques petites informations. Donc j'ai un compte Twitter maintenant où je vais déposer aussi des informations. Donc je vous mets tout en bas, pensez à aller me suivre sur Twitter, Instagram, c'est super important. Comme ça, si vous voulez venir un petit coup sur ma ferme, vous pourrez. Je vais toujours annoncer quand est-ce que je jouerai dessus pour tourner mes épisodes et vous serez les bienvenus. Donc pensez à aller regarder tout ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Tout simplement, vous voyez que j'ai fait quelques petites choses, en gros toutes simples. En gros, ici nous avons des marguerites, donc j'ai fait un. J'aimerais faire quelque chose d'assez propre. Donc vous voyez par exemple comme là j'ai mis des petites haies. Pour séparer ici j'ai deux types de fleurs que j'ai séparées par des haies. Et j'aimerais faire ça partout la même chose. J'ai commencé à faire les fleurs comme je l'ai déjà dit dans l'épisode précédent. Les fleurs c'est super important. C'est des éléments qui nous coûtent cher au départ mais qui rapportent beaucoup. Pourquoi? Parce que on ne doit pas replanter. Donc une fois que ça a été planté et qu'on récupère le matériel, vous voyez, tac, on récupère les trucs, ben on ne doit pas les replanter. Donc j'ai joué quelques fois pendant la semaine, hein, bien sûr, entre cet épisode que je suis en train de tourner et l'épisode précédent. J'ai joué quelques fois pour y mettre quand même un tout petit peu de. Gagner un tout petit peu d'argent pour pas que je reprenne où j'en étais la dernière fois, hein. C'est important, et surtout du fait que le jeu ne peut être joue prend le temps réel de la vie, donc il est super important de récupérer un petit peu d'argent et surtout qu'on ne doive pas attendre à chaque fois une éternité. Alors, pensez bien aussi à les vendre tout le temps, regardez bien à penser à regarder où vous en êtes dans votre stock, car ce serait dommage de l'avoir plein, comme là, les fleurs, je peux en prendre 140, j'en ai 83. Les fruits, j'en ai pas assez pour les vendre, donc on va récolter en attendant ceci. On m'a aussi dit une chose importante, de labourer à double toujours. Hein, faites comme ceci et si vous voulez être encore plus efficace, vous replantez directement derrière. Hein. Donc vous choisissez un élément que vous replantez directement. Ok, donc là normalement quand je le vois, je devrais pouvoir. Non, ici j'ai pas, mais ici je dois pouvoir déposer et une et de deux. Voilà. Et si on regarde, nous sommes à 12, c'est parfait. On va récupérer de l'essence. J'ai mis aussi une deuxième station essence. Pourquoi? Parce que sinon on descend trop vite et on est tout le temps en train d'attendre pour avoir ces éléments. Ok, donc là on peut voir qu'on peut revendre de nouveau des œufs. Des œufs, moi je vais bien. On peut revendre des fleurs, donc hop, ça nous refait de nouveau quelques petits diamants, toujours important. Bon, on va finir de récupérer nos plantes et on va surtout parler. Celles-ci sont pas très importantes. Vous voyez qu'on gagne 76 pièces d'or, 77, c'est marrant, 77, 76. Vous voyez ici, on gagne 100. 1976. Donc très intéressant de mettre des plantes qui rapportent beaucoup. Car vous voyez, hop, on est déjà à 100 000, 125 000, 144 000, 162 000 et toc, 174 000. Donc pourquoi important de mettre, je trouve important de mettre ces plantes, ça nous permet en gros de gagner beaucoup d'argent facilement en fait. Au début, certes, c'est pas rentable, comme je l'ai fait la première fois, puisque j'ai joué sans que vous le voyez. Et là, dedans, en gros, c'est super rentable maintenant. En gros, j'ai déjà remboursé 3 ou 4 fois l'achat de la plante. Pourtant,
je ne paye rien en plus à chaque fois que je la récolte. Par contre, alors certaines plantes vont très long. Je crois que celle-là, c'est 24 heures. Hein. Donc, ça met quand même du temps pour certaines choses, mais c'est quand même bien pratique. Alors, combien j'ai de plantes? Je peux encore en récolter un tout petit peu. C'est pour ça que moi, je vous conseille toujours, mettez des fleurs. Au début, ça va prendre du temps. Mettez un peu tout type de fleurs. Ça vous permettra d'éviter certains problèmes d'argent par la suite. Alors, ce qu'on va s'attaquer aujourd'hui, c'est à deux, trois petites choses. On a, hop là, c'est pas ça que je voulais, c'est ici. Déjà, vous avez le festival de musique. Le festival de musique, c'est quoi? C'était un événement un peu spécial qui se fait de temps en temps sur le jeu. Il y a des événements. Et en gros, quand vous voyez cette vidéo, si vous êtes, attendez, je vais vous dire, on va juste quitter ici la ferme. Festival de musique, ça dure 10 jours. Et nous sommes le 8 du 9 2019. Donc si vous êtes 10 jours après que vous voyez cette vidéo, il sera trop tard. Hein. Mais c'est important. Hop, donc. Hop, on peut aller vendre les fleurs. Comme ça, on gagne des petits diamants. Et on va finir de récolter ce qu'on notre petit élément. Voilà, hibiscus de niveau 18. Donc vous voyez que je les ai déjà récoltés quelques fois. Et je vous rappelle qu'à chaque fois que vous récoltez et que vos éléments augmentent d'un niveau, ça vous permet en gros de gagner plus d'argent, plus d'XP. Donc c'est toujours intéressant. Donc moi ce que j'aimerais pouvoir faire un peu comme design, c'est ça. C'est en gros mettre des panneaux, la petite arche, des petites haies, comme ceci, tout le long, faire toujours à double, donc faire toujours droite et gauche une zone et mettre des plantes. On fera la même chose de l'autre côté pour les éléments de plantation et on fera un peu la même chose pour tout ce qui est animaux. Là, aujourd'hui, on va s'occuper de deux choses. On va faire des animaux parce qu'on a une petite mission. On va un peu voir les missions qu'on a. On a les cochons landrace qu'on doit faire. Cinq petits rubans très importants à gagner. On a les choux-fleurs, coquelicots à récupérer pour deux rubans. Et nous avons poivre noir et pommier. Alors, pommier, on a ici, mais c'est pas avec ce qu'il y a qu'on va terminer la mission. Mais on va déjà mettre tout ce qui est. On va juste vendre. Pensez toujours à vendre, hein, ça sert à rien de garder les fleurs, les trucs. Alors, on va juste voir si on peut. Je vais juste épingler la mission qui est celle-ci, chou-fleur coquelicot. Parfait. Et on va voir si on peut déposer. C'est quoi laitue? Chou vert. Chou-fleur, 45 minutes. Bah, c'est parfait. Donc, 18. On va faire toute la plantation direct. On va pas s'énerver. Parfait. Pensez à donner un petit coup d'eau. 45 minutes, ça fait plus que 39 minutes. De toute façon, on va faire des petites ellipses pour finir en tout cas la mission. À moins que les coquelicots prennent 30 jours à pousser, mais sinon. On va finir cette mission encore aujourd'hui. Hein. Donc ici, si on fait les trucs que je voulais, non, c'est ici fleurs. Donc les coquelicots, c'est ceci que j'aimerais mettre, mais c'est ceci qui est juste à côté. Alors je plante une fois ceci. Donc là, vous voyez que ça m'a coûté. Ceci me coûte 200. 2500 à chaque fois. Par contre, vous voyez que pour la récolte, une récolte me suffit en gros pour faire que mon élément soit rentable. Achat. Ok, ça c'est un truc, c'est assez intéressant. Nous, on veut des petits coquelicots. Alors, on va poser des coquelicots ici. Attendez voir, ça doit pas être la bonne chose. Coquelicot, si. Bon, il me note pas comme quoi. Et mince, c'est pas ça que je voulais.
Hop, on remet les parcelles comme elles étaient. On plante. Bon, ça coûte cher, mais on s'en fiche. Je vous rappelle que les fleurs nous permettent de toute façon, une fois qu'elles sont plantées, ce n'est pas grave. On les garde à vie et elles nous rapporteront tout le temps. Comme là, si on prend les coquelicots, en 2 heures, elles nous rapportent 240 pièces, 30 d'XP. Donc, en gros, il faut juste les récolter. Et merde. Il faut juste qu'on les récolte 3 fois. Et à partir de la troisième fois, on est déjà gagnant de ce qu'on a dépensé. Le seul souci, c'est que ça descend souvent assez vite l'argent, surtout les fleurs. Mais ce n'est pas grave. Ok. Hop. On les arrose un petit coup. Ouah. Même pas obligatoire, hein. Alors, ça c'est fait. Donc, normalement, les choux-fleurs, coquelicots, c'est bon. Donc, on va s'attaquer à une autre mission qui va être. Alors, attendez, que je reprenne ici. Poivre noir. Donc, poivre noir et pommier. Alors, on récupère, on terrasse et on va mettre. Poivre noir. On va juste en mettre la quantité nécessaire parce que c'est le poivre noir nous redonne des diamants et non de l'argent. Donc ça fait une conversion d'argent en pièces, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Parfait. Donc là, on a tout ce qu'il nous faut pour une décision fructueuse. Il nous manque juste les arbres. Si on prend arbre pommier, on va mettre ici. Voilà, ça veut dire que ça fait 6, 10, 11, 11 plus 9, ça fait 20. C'est parfait, on aura la quantité nécessaire dès que les pommes seront toutes prêtes. Alors, on va arrêter ça. On va juste récolter ici les œufs. Niveau supérieur, c'est parfait pour les poules. Je crois que je suis plein, mais c'est pas grave. Ah non, je suis pas plein. Niveau 7 pour les poules. Parfait. Et on va les nourrir. Pensez toujours à nourrir. Vous pouvez normalement les nourrir plusieurs fois. Voilà. En gros, vous regardez, vous voyez en bas à gauche, en dessous du 7, vous avez ce que vous avez comme nourriture. Alors, on va récupérer ça. Pensez aussi que si vous venez à venir signer mon petit élément là, ça me fera super plaisir. Hein. Donc, tac, on va récupérer, on va vendre ici. Ça nous fera un peu des diamants en plus. Presque bientôt 1000 diamants. On est à 1000, c'est parfait. Tac et tac. Ok. Alors, ensuite, ça c'est des arbres. Par contre, saison de récolte. J'aime bien parce qu'il n'y a pas de temps. Combien de temps ça met pour pousser? Bon, on le sait pas. Alors, notre deuxième mission, alors celle-ci, je la ferai, on la fera. Poivre noir, ça c'est bon. Chou-fleur et coquelicot, c'est bon. Et il nous manque plus que celle-ci, c'est les cochons de l'Adras que l'on doit mettre en place. Alors, je vais la mettre, je vais juste l'épingler. Hop, épingler, 60. Je pense que cette mission va être faite en plusieurs fois car je vais pas mettre 60 cochons. Ce serait pas utile. Alors, ce qu'on va faire ici, cochon, surtout que ça coûte assez cher. Alors, une. Donc, ça fait 9, 18. Voilà. Hop là. Hop. On va juste les nourrir. Vous voyez que ça nous coûte 50 à chaque fois pour les nourrir. Hein.
Et ce qui serait intéressant, c'est de voir ici maintenant ces quatre éléments. Ceci va nous permettre en gros de mettre 12 fois de la nourriture à l'intérieur. Bon, si c'est pas possible, ce n'est pas grave. Stant un champignon, on va en mettre un déjà, car on va pouvoir y vendre ce que va nous procurer les cochons. Alors, on va le déposer juste ici. Plouc, comme ça sera fait. On récupère ce qu'il y a ici. Un petit peu d'argent gagné. Et ce qu'on va faire, c'est que on va s'amuser. Puisque, à part attendre, je ne dois rien faire. On va juste tout récolter et on va y planter quelque chose. 6 heures, 2 jours, 30 minutes. Qu'est-ce qui rapporte 22? C'est pas assez. 50. En 1 heure et demie. Pour être intéressant. En 45 minutes, ça fait 42. Ah, je vais mettre ceci. C'est assez rentable. Ça va assez vite. Donc, niveau supérieur. Ok, j'ai gagné un nouveau niveau. Puis c'est très bien. Oh, même la ferme a gagné un nouveau niveau. J'ai dit que je voulais planter, j'oublie toujours. Donc vous voyez que il est important, hein, si on regarde, vous donnez un coup, vous redonnez un coup, vous redonnez un coup. En gros, vous restez 3 fois à la même place, vous sautez 3 fois à la même place. Hop, aubergine niveau supérieur. Hop, et hop. Donc c'est franchement cool. J'aime beaucoup le principe du jeu, de la récolte, de tout. Pour l'instant, on n'est pas, c'est pas très très grand. Ça, j'en suis convaincu. De toute façon, j'ai une autre ferme où je fais un peu mes expériences. C'est clair que c'est ici, c'est tout petit. C'est pas le truc le plus. Pour l'instant, c'est pas très 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 grand. Mais vous verrez que par la suite, dès qu'on a grandi, on aura beaucoup plus à parcourir. On va juste aller se vider les poches un tout petit peu parce que on a trop dans les poches. Hop, on va vendre. Hop, et on revend encore une fois. Hop, on récolte. Et vous voyez que à chaque fois on gagne de l'argent. Hein? Aussi, je vous rappelle que très important de regarder lorsque vous plantez les choses combien ça vous coûte. N'oubliez pas que vous avez à chaque fois 10 pièces de frais pour labourer le champ. Pensez-y hein, quand vous mettez quelque chose qui dure 1 heure mais que ça vous rapporte une vingtaine, 25 pièces par exemple. Dites-vous que vous en gagnez réellement que 15 puisque vous avez 10 pièces pour avoir labouré. Parfait. Donc ce qu'on fait, les amis, c'est que petite ellipse et on se retrouve dès que tout est prêt. Donc les coquelicots sont prêts et que les choux-fleurs sont prêts. Comme ça, on pourra continuer. Ah, là, on a juste les poules qui sont prêtes. Ok les amis, on est de retour et on va essayer de faire nœud papillon ou cravate. J'ai récolté déjà les vaches aux fleurs sans faire exprès. Je suis parti sans reprendre le record. Donc j'en suis navré. On va récolter. Voilà. Et vous voyez, j'ai effectué quelques champs supplémentaires. Donc on a tout ça en champs supplémentaires aussi pour nous permettre de gagner un tout petit peu plus d'argent à chaque fois. On va récolter les coquelicots qu'il nous faut. Hop, donc. Et de deux. Là, et encore un. Et on a fini la mission. Cochons de l'Andras, on n'arrivera pas à les faire. Ça, j'en suis sûr. Par contre, ceci, on va l'épingler. Ceci, normalement, devrait pouvoir être fait. C'est les pommiers. Tac. Niveau supplémentaire pour les pommiers. Et
On a les 50 petites pommes qu'il nous faut. On va penser à aller juste vider un tout petit peu les poches pour pas être sûr que on récolte pas des choses pour rien. Bon, de plus, vous avez vu que j'ai dû acheter un terrain supplémentaire, hein, puisque pour construire là-bas, le terrain, nous l'avions pas. Et vous voyez que ça va assez vite, hein. Maintenant, on est assez régulièrement en train de récupérer des petits diamants. Il nous faut encore du poivre. Donc le poivre noir, c'est celui-ci. Hop, et celui-ci, en plus, vous voyez qu'il nous récupère des diamants, hein. Alors ça récupère toujours qu'un diamant. C'est une grande question. Est-ce qu'à un moment ça peut récupérer plus que un diamant? C'est une très bonne question. Alors on va juste voir. On est passé au niveau 3 avec le poivre. Si on se met ici. Non, c'est toujours que 1. Alors on va voir qu'est-ce qu'on a comme mission maintenant. On en a deux nouvelles. Silencieux, ça pousse. Cochon, ladrance, 30. Et pêche. On doit pêcher 30 ici. Bon, on n'a rien pêché. Alors, attendez voir. Elle, mission. Vous avez attendu de nouvelles. L'hôpital a craqué. Ils ne peuvent pas faire face à la demande de nourriture pour la pension. Ils ont besoin urgemment de denrées alimentaires essentielles pour. À des pêches, pas pêcher, Danico, je dis un peu n'importe quoi. Ok, bon, puisque on n'a plus de demande particulière, on va mettre quelque chose qui rapporte un peu d'argent. On va mettre un truc qui dure à peu près une heure. Là, on gagne 50. Là, on gagne 30, 42. Là, on gagne 110, on gagne 100 avec celui-ci, mais c'est que l'hiver. Délai de récolte 45 minutes. Le problème, c'est mort, on peut plus les mettre. Voilà, bah, comme ça, le problème est résolu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une heure et demie, 100, 160, donc 150. C'est intéressant. Ok, donc on va déplanter pour replanter. Par contre, vous allez voir qu'on va être emmerdé, c'est que on va pas pouvoir mettre que ça. Parce qu'on consomme plus que ce que l'on. On dépense plus que ce que l'on replante. Hein. Qu'est-ce qui nous permettrait de faire achat? Pommes de terre, ça fait quoi? Ça fait 40, ça fait 50, ça fait 40 en plus. 3 heures. Ça fait 50. On va mettre des tomates. Dites-vous une chose, c'est que bon, on met des tomates, on met des trucs. Je fais mes petits calculs vite fait là pour voir si on est rentable, combien on gagne. Mais dites-vous une chose, c'est que à force d'augmenter les niveaux de vos éléments, vous allez à fur et à mesure augmenter le prix. Hein. Hop. Mais là, normalement, on devrait facilement y arriver à replanter par-dessus. Là, on gagne comme ça autant avec des choux-fleurs. Attendez voir, on gagne 300. Attendez, chou-fleur, où il est? Ouais, mais ça m'a coûté aussi. Je gagne 40, 30. Ouais, non, je suis plus gagnant à mettre des tomates. Alors, hop là. Par contre, j'ai quitté le truc. Alors, on va mettre des petites tomates. Ça va nous permettre aussi d'augmenter les niveaux des trucs. Super important. Hop. Bon, ce qu'on va faire, c'est que on va. Tac. Ce que je vais faire. Petite ellipse, le temps que je récolte tout, que je replante tout.
Et comme ça, on se voit encore pour la conclusion de l'épisode et d'éventuelles petites choses qui seraient arrivées. Ok les amis, bon, j'ai tout récolté, ça nous a fait monter d'un niveau notre ferme, et je crois que on va pouvoir faire ceci. Je vais juste l'épingler, F1, là, et on va récolter. C'est parfait. On a réussi deux missions. On va récolter aussi les œufs. Petit niveau supplémentaire, ça c'est bien. Et on va surtout pas oublier de les nourrir. Comme ça ira plus vite. Et surtout ici aussi. Parfait. Et ce qu'on va mettre ici, petit bâtiment. Hop, on va le mettre ici au milieu. Ah, ben, il s'est connecté. Je crois qu'il a dû se connecter au à cette zone-là, mais c'est pas grave. Et en gros, avec ça, les poulets ont plus de nourriture. Donc, parfait. Donc, normalement, ça dure un tout petit peu plus longtemps. Ensuite, est-ce qu'on a des trucs? Hop là, c'est pas ça, c'est ici. Est-ce qu'on a des trucs que je peux acheter qui me sont super utiles? Taxer, revendre ça, achat, 10, vente de produits, 1. Ok, mais ça veut dire que je dois mettre des ruches. Puis ça va 23 heures pour récolter le tout. Ok, je pense pas que ce soit utile. Ce qui serait très utile, c'est ceci. Mais il nous faut 25. Ça, c'est pas encore utile. Ça non plus. Bon, je crois que en gros, ça par contre, stockage, achat. Je me pose la question de ce que c'est, donc je vais l'acheter comme ça, je vais pouvoir voir car je l'ai jamais utilisé en plus. Peut-être pas du tout utile, on verra. Alors, ok, une pépite contre une pépite, une pépite. Et j'en ai combien des pépites? Pépites, j'en ai 7. J'en ai 7 sur 70. Ok. Donc c'est intéressant. Ok, les pépites, on peut les échanger. Ok, c'est pas trop, c'est pas mal. Bon, vous savez quoi les amis? On va se laisser là pour cet épisode d'aujourd'hui. Donc, je vous rappelle, pensez à me suivre sur Twitter maintenant que ça a été créé. Et bien sûr Instagram. Je poste dessus toujours des informations concernant la chaîne, donc pensez à les checker. Ce sera bien pour vous. Il y aura des petits sondages aussi pour la suite de l'aventure de Farm Together. Il y aura des trucs qui concernent aussi simplement la chaîne pour les futurs let's play que je fais, où je vous demande qu'est-ce que qui vous intéresse. Donc pensez à aller checker tout ça. Je vous remets en bas mon Instagram et mon Twitter, donc pensez à les voir. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, pensez à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche des notifications, et les amis, on se retrouve à la prochaine. Ciao ciao ciao!